Hey! Salut tout le monde, c'est BlueSkyman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Un nouveau débrief. Petite série que je lance sur ma chaîne, voilà, quand j'ai des petites informations à donner. Eh bien, je ferai un petit débrief. Tout simplement, vu que j'avais sorti déjà une vidéo du genre sur Black Ops 3 la semaine dernière. Et je sais plus pour quelle occasion c'était. Mais voilà, là je reprends ça sur Call of Duty Ghost. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous dire durant cette courte vidéo. Déjà, vous devez sûrement l'entendre à la voix de mon casque, enfin la voix de ma voix tout simplement. Il m'est arrivé une mésaventure cette semaine là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu peiné à sortir du contenu tout simplement cette semaine. Puisque mon casque a rendu la main. Alors en fait c'est pas réellement mon casque, mais c'est la carte son. Si vous voulez, j'ai un casque qui combine une carte son 7.1 dessus. Donc la carte son qui est reliée en USB. Qui est reliée en USB au PC et qui est reliée en prise de jack à mon casque. Et quand je branche cette carte son, ça me permet d'avoir un meilleur son sur mon casque et un meilleur son pour mon micro aussi. Et ça, c'est indéniable. Et vu que cette carte son ne marche tout simplement plus, quand je branche mon casque en prise jack, le problème c'est que la prise de jack sur un PC, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de grésillements, y a du sifflement derrière tout ça, qui se fait ressentir sur le son du micro, et c'est tout simplement ignoble. Et donc je ne pouvais juste pas règle de vidéo. Et donc là, je faisais comme à l'ancienne, comme quand je faisais mes toutes premières vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai branché carrément mon casque à mon iPhone. Et je règle avec le dictaphone de l'iPhone. Et c'est vrai que, normalement, le son devrait, en tout cas, être carrément mieux que sur PC. Et non, c'est vrai que l'iPhone, je trouve, à ce niveau-là, le son est pas dégueu. Alors après, c'est extrêmement chiant parce qu'il faut bien règle en même temps pour que la piste audio et la piste vidéo soient pas en décalé. Mais ça, après, vous allez me dire au montage, ça se fait ici. Mais c'est tout. Mais sinon, le son normalement devrait pas trop. Peut-être que vous devez un peu entendre ma manette. Mais sinon, sinon ça devrait pas être trop dégueulasse. Donc voilà pour l'info niveau casque. Mais c'est vrai que ça m'a fait plutôt chier. Ça m'a fait plutôt chier. Mais maintenant, on va arriver au gros, la grosse news. La fin de mon strike sur ma chaîne YouTube. Ça fait super plaisir. Ça aura duré 6 mois, pour ceux qui ne sont pas au courant. Bah, il y a de ça 6 mois, donc en octobre. Je me suis pris un strike YouTube. Puisque j'avais proposé une vidéo sur la bêta de Need for Speed. Et c'était une bêta en fait qui ne... Enfin, on n'avait pas le droit de règle du gameplay, je n'étais pas au courant. C'était écrit, c'était sûr, je pense que c'était écrit dans les chartes de show. Bref, je vais pas revenir là-dessus, mais bref, j'ai proposé une vidéo sur cette bêta. Enfin, 30 minutes après, Electronic Arts a sanctionné direct ma chaîne YouTube en me supprimant la vidéo et en me mettant un strike simplement. En soi, c'est de ma faute, ça c'est sûr. Mais bon, j'étais un petit peu deg. Et donc ce strike se finissait le 31 mars. Donc il s'est à peu près enlevé sur ma chaîne. Il s'est enlevé le 1er avril. Après, vous dire à quelle heure, je ne sais pas. Mais il s'est dans la matinée sûrement parce que voilà. Et donc c'est nice. Donc pour les restrictions que j'avais à cause de ce strike, c'était ne pas pouvoir faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc ça, c'est la chose qui m'a fait le plus chier. Et dans ma vidéo, genre la fin de ma chaîne YouTube que j'avais faite à l'époque, ça se voyait. Je pense que ça se voyait réellement que j'avais extrêmement le seum dans cette vidéo. Puisque j'avais grave les boules. Mais au final, c'était pas si grave que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des strikes, si vous en combinez 3 à la suite... En fait, en même temps, votre chaîne YouTube est supprimée. Vous pouvez en avoir 3 en fait, mais il faut pas qu'ils soient en même temps. D'ailleurs, vous pouvez vous en prendre 2 en même temps, mais pas 3 quoi.
Et donc là, bah, du coup, c'était le premier que je me prenais. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs connus qui s'en sont pris un. Et donc voilà, bah, ça, c'est la politique de YouTube qui est comme ça. On n'y peut pas grand-chose. En même temps, ça permet de protéger le contenu de d'autrui, comme on dit. C'est pas si grave que ça, mais c'est vrai que ça fout gravement le seum. Merde, je croyais l'avoir tué. Ça fout gravement le seum sur le coup. Ah, mais j'avais pris de balles. Donc voilà, la fin de ce strike YouTube. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en somme? Ce que je viens de sortir en somme, qu'est-ce que ça veut dire en somme? Et attends, je sors des trucs, mon gars, qui se disent même plus depuis des années là. Je suis revenu au Moyen-Âge, le bordel. C'était quoi ça? Merde, je l'ai pas vu. Ça veut dire bah, le retour des let's play. Je crois que j'en ai. Sur un jeu, je crois que je n'ai jamais fini un let's play. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bah, let's play de Batman, c'était pas réellement de ma faute parce que j'étais à peine à la moitié du jeu, j'imagine, et vous balancer des vidéos de moins de 15 minutes pour finir le game, je pense que ça aurait été juste ignoble. Surtout que j'ai pas le upload nécessaire. Ça, c'est vrai que c'est un gros désavantage que j'ai, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire de vidéos. Si vous voulez, là, la vidéo que je fais, là, il est 2h, un peu moins de 3h du matin. Là, je vais la monter et je vais la balancer direct sur YouTube, vu que ça va être la nuit, tout ça, je vais dormir. La connexion sera utilisée par personne, donc je vais avoir le meilleur upload possible. Mais je peux pas me permettre de, par exemple, ah, tiens, j'ai envie de faire une vidéo, il est 16h, je tourne la vidéo, je la monte, et je ne peux pas vous la balancer pour 18h sur YouTube, genre c'est infaisable. Là, la vidéo, elle va durer quoi? Elle va durer 8 minutes, on va dire, parce que là, je vais quitter, parce que j'ai fini de tout dire. Je peux pas, là, je vais en avoir pour 4 heures d'upload. C'est ignoble. 4 heures d'upload quand il n'y a personne. Et quand j'upload la vidéo, ma connexion internet est saturée. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux plus rien faire. Ça bouffe toute la connexion. Avant, ça ne me le faisait pas. Maintenant, ça le fait genre depuis 2 mois à peu près. C'est-à-dire que maintenant, quand j'upload une vidéo, je ne peux plus utiliser internet. Ça coupe net tout. C'est pour ça que j'upload tout ça la nuit pendant que je dors. Et voilà. Donc c'est vrai que ça me ferait chier. C'est le seul truc qui me manque, quoi. Une bête de connexion, ça me ferait super plaisir. Ça me permettrait d'être plus actif, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ce petit débrief, en espérant que ça vous ait plu et que je vous ai appris quelques petits trucs sur ce qui allait arriver prochainement. Des vidéos sur Fallout arriveront. Certaines personnes m'ont demandé. Et ça arrivera, parce que c'est un jeu que j'apprécie quand même et que j'ai envie de vous proposer un peu de contenu dessus. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse là, les gens. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut!